là, je vérifie, voir si je suis certain que j'ai pas un petit manque d'un bord. OK? Je vais laisser refroidir. Tantôt, là, je vais commencer des choses, mais je vais revenir à ça tantôt. Je vais juste le laisser refroidir. Bon, ben là, tu m'as acheté. Et après ça, avec le bougeon, tu casses tes trous, puis tu as juste à installer tes affaires. Alors, comme je vous ai dit, ça, là, l'affaire de même, là, tu as à peu près 15$ que ça coûte. Je suppose que c'est ça que j'ai dit tantôt. Là. Ils l'ont pas vu, là, tu cherches le joint, tu n'envoies pas le joint. C'est parce que, après ça, il faut dire que là, moi, je suis habitué, puis un peu, puis pour sauver l'ouvrage, j'ai pris la ponceuse rotative, et après ça, je sable avec du papier sablé plus fin. Et ce que j'aime bien à utiliser, c'est carrément un petit bloc qu'on prend pour les skis de fond, en mettant de la cire. Je trouve qu'on peut le tenir comme il faut. Et c'est avec ça qu'après ça, j'ai fini. Là, il y a encore du rouage à faire dessus, mais donc, je vais continuer chez nous, ça ne donne rien que vous me voyez. Mais c'est pas pour finir. Non. Avant de mettre le restant de la mousse, je vais encore mettre des robes. Comme ça qu'il vaut de faire quelque chose compact, comme ça. Et alors que là, ça indique, la roche indique une direction. Donc, j'ai comme pas le choix, comme elle indique une direction, il faut que mes arbres suivent la direction. J'ai une pierre qui est ici, qui normalement est supposée être debout, comme ça, que j'ai acheté dans un pet shop. L'histoire, cette semaine, il y a un morceau que je voulais faire partir pour me donner de la place pour pouvoir planter. Sauf qu'en donnant mon petit coup de marteau, la pierre a fendu en trois. Fait que je l'ai collé. Et je me suis dit, tant qu'à y être, pourquoi pas faire quelque chose d'encore plus spécial pour mettre ça. Là, c'est ce que je ferai chez moi avec. Je fais simplement des petits crochets. Et puis il a pris ce mousse-là, puis c'est exactement ce mousse-là, puis il a pris de la composition minérale, puis le gars il a pris des cartes, puis il s'est aperçu que pas loin de chez eux, il y avait des formations calcaires. Il a fait des claims, aussi quatre que ça. Il a fait des claims mini, 10$ par année, puis il y a l'exclusivité sur le sous-sol de région, une région. Et puis, il a commencé à creuser, puis il a trouvé des pierres, des très belles pierres, qui se ressemblaient drôlement à des pierres chinoises. Et puis, je sais. C'est une pierre qui me semble assez intéressante par rapport à ce qu'on a vu. C'est une pierre qui, quand même, qui a des alvéoles, qui est élégante, qui est sombre, qui est striée, qui a des marques dessus. Il y a un petit peu de détails ici que j'ai réussi à faire conserver malgré que j'ai plongé dans l'acide. Et puis là, il s'agit de faire un petit dye pour ça. Et puis,